Iwata a volé le ballon en position haute à Yokohama F. Marinos, qui a soigneusement enchaîné les passes et a réussi à prendre l'avantage dès le début. Cependant, au fil du temps, la ligne défensive a commencé à baisser devant les passes habiles de l'adversaire et ont pu contrôler le rythme. Même s'ils ont surmonté des difficultés répétées, ils ont encaissé un but juste avant la fin de la première mi-temps. Ils ont commencé la deuxième mi-temps avec une mauvaise dynamique, mais ils ont été inversés et Lopez a obtenu un tour du chapeau qui l'a propulsé au sommet du classement. Pourtant, le score a 1-4. Dans les phases finales, Jermaine a marqué 2 buts et a lancé une poursuite, mais c'était la fin de la contre-attaque. Nous avons subi une défaite difficile pour rester dans l'équipe. Merci pour votre écoute.